La présentation a situé les avancées de la recherche dans la spondylarthrite avec le postulat de départ qui est qu'il y a eu par le passé des avancées dans la description clinique de la spondylarthrite qui permettent une bonne connaissance et maintenant qui amène à des avancées thérapeutiques avec des nouvelles molécules qui viennent d'être développées ou en cours de développement. Alors, le retard diagnostique, si on pouvait résumer la difficulté, est peut-être dû au fait que plus on veut faire le diagnostic tôt, plus il faut s'appuyer sur des signes cliniques et du coup on n'a pas en secours des arguments objectifs, radiographiques ou scanographiques. La définition de la maladie tourne souvent sur les syndesmophytes, les atteintes sacroiliaques, qui quand elles sont présentes sont très évidentes, mais elles surviennent au bout d'un certain temps, 10, 15 ans, et c'est peut-être un petit peu tard, trop tard sûrement, pour faire le diagnostic, parce que les douleurs sont là depuis 15 ans, souvent sans diagnostic, ce qui cause beaucoup de désagréments, d'angoisse, d'anxiété importante. Le mode d'entrée dans le diagnostic de la spondylarthrite, c'est un mode clinique sur comment j'ai mal et comment j'ai mal. Et la question, c'est de définir mieux les douleurs rachidiennes et surtout si elles sont inflammatoires. Ce qui est important, c'est de réfléchir sur le fait d'avoir mal la nuit ou pas, d'être raide le matin ou pas, de devoir s'échauffer le matin. Et cette notion de dérouillage matinal, en fait, ça permet une grande avancée dans le diagnostic. C'est le caractère inflammatoire des douleurs. C'est le nerf de la guerre, c'est le principal de l'entretien avec le médecin. C'est de comprendre si les douleurs ont un rythme que nous on considère et qu'on appelle mécanique. C'est-à-dire c'est plutôt les douleurs d'usure et en général ce sont des douleurs qui augmentent essentiellement en fin de journée. Ou par opposition avec des douleurs inflammatoires. C'est-à-dire, est-ce qu'on a mal la nuit, est-ce qu'on a un dérouillage le matin, un dérouillage prolongé. Donc c'est cette notion de dérouillage inflammatoire prolongé qui fait la différence. Maintenant, il y a d'autres causes de rachialgie inflammatoire que la spondyloarthrite, donc ça ne peut pas se réduire à ça seulement. Alors, les études familiales que j'ai citées sont des études d'analyse génétique pour recueillir des prélèvements des patients et faire des études de leur profil génétique avec le B27 en plus du B27. Et ce qu'il y a eu de très intéressant dans ces études familiales, c'est qu'elles ont permis de recueillir un arbre généalogique et de se rendre compte au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on augmentait la cohorte de patients de ces études génétiques, qu'on pouvait retrouver au sein d'une famille tous les signes qu'on décrit dans une spondyloarthrite et plus précisément toutes les sous-maladies ou les sous-groupes qu'on décrit dans la spondyloarthrite. Et ça, c'est une avancée majeure qui permet de comprendre et de valider ce qui avait été décrit déjà par Bernard Amor dans les critères d'Amor, de dire que la spondyloarthrite, les spondylarthropathies à l'époque, est un groupe nosologique, c'est-à-dire un groupe de maladies. Et en réalité, avec les études génétiques, de manière encore plus évidente, on démontre que c'est une maladie et une seule. Parce qu'en fait, une famille, quand on rentre dans les études génétiques et généalogiques, donc, par un type particulier, on se rend compte qu'on va finalement trouver tous les autres symptômes et tous les autres sous-types. Ça permet de renforcer de manière très très forte ce concept et de dire que c'est une maladie en réalité, avec des expressions variables. Alors, ces critères, on les évalue en consultation, c'est assez simple. Les patients viennent nous voir parce qu'ils ont mal, certes, et ils viennent voir un rhumatologue parce qu'ils ont des rachialgies, c'est-à-dire qu'ils ont mal à la colonne vertébrale. Et donc, on détaille, on demande où sont les douleurs cervicales, le rachis thoracique et le rachis lombaire. Et on les qualifie, on dit si c'est inflammatoire ou pas. À partir du moment où on a dit qu'il y a des rachialgies inflammatoires, on avance. Et on va décliner tous ces items de signes fonctionnels. Alors, par exemple, les fessalgies. Fessalgie à bascule, gauche et droite, elles sont associées, c'est l'expression clinique de la sacroiliite. On va parler des douleurs thoraciques, antérieures notamment.
Et ça, ce sont les signes axiaux. On va interroger sur les gonflements des articulations, c'est-à-dire les arthrites, et on va aussi vérifier leur description. Est-ce que c'est des petites ou des grosses articulations? Dans la spondyloarthrite, on attend plutôt des grosses articulations, une à gauche, à droite, de manière asymétrique. Et on va vérifier les douleurs des tendons. Donc, est-ce qu'il y a des douleurs tendineuses? Alors, il y a plusieurs façons d'interroger. Soit il y a des réelles tendinites, mais qui sont des tendinites chroniques très inflammatoires. Soit il y a ce qu'on appelle ces douleurs aux zones d'insertion, la sensibilité des zones diffuses à l'effleurement, et c'est souvent des douleurs dentaires. Et toujours en vérifiant qu'elles sont inflammatoires. Ensuite, on va demander s'il y a eu des atteintes oculaires, la notion d'uvéite. Alors parfois, on pose les questions. Les patients répondent oui, parce que le mot a déjà été évoqué par un autre médecin, ou sinon on reformule. C'est-à-dire, on leur demande s'ils ont eu des uvéites. Non, bon, très bien, est-ce que vous avez déjà eu un œil rouge? Donc vous voyez, on ne valide pas forcément le critère, mais on peut valider aussi un signe d'alerte, qui dans un second temps sera validé en tant que critère ou pas. Les atteintes digestives avec la notion de diarrhée, alors on les décrit, 5-6 selles par jour, molles, liquides. Les atteintes génitales avec la notion d'infection génitale chronique, les urétrites. Les atteintes cutanées avec la notion de psoriasis. Ensuite, on prononce encore quelques mots magiques. Est-ce qu'il y a eu dans la famille une spondyloarthrite, une maladie de Crohn? Et puis, on commence à avoir fait le tour. Le dernier argument qui est assez intéressant, c'est est-ce que ces douleurs cèdent sous anti-inflammatoires? Mais il faut bien comprendre que la réponse souvent est plus complexe que oui, les anti-inflammatoires m'améliorent, parce qu'en général, ils améliorent insuffisamment. Donc, pour valider le critère sensibilité aux anti-inflammatoires, il faut encore une petite discussion de 5-10 minutes souvent pour comprendre en quoi les anti-inflammatoires améliorent rapidement la douleur ou pas. Alors je voudrais revenir sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'on a une bonne connaissance et aussi même ces notions sont relativement récentes, de savoir les utiliser à bonne dose. On a des publications pour comparer les doses entre elles et revenir là-dessus, c'est un élément clé. C'est peut-être pas très nouveau, c'est pas la pointe de la recherche, mais il y a encore des études récentes pour décrire l'efficacité des anti-inflammatoires et notamment sur la prévention de déformations osseuses et des ankyloses. Et je voudrais revenir sur les traitements et la connaissance de l'intérêt de l'activité sportive. Et ça aussi, ce sont des domaines où il y a des travaux de recherche pour voir dans quelle mesure une activité sportive améliore les symptômes et diminue la consommation médicamenteuse. L'utilisation des anti-TNF n'est plus stricto sensu dans les nouveautés. C'est des traitements qu'on a maintenant depuis plusieurs années avec un arsenal thérapeutique intéressant puisqu'on a plusieurs molécules. Les nouveaux traitements dans le domaine des biothérapies qui ont été autorisés récemment sont... Alors, le Stelara a été autorisé avec surtout une autorisation et maintenant un remboursement dans le rhumatisme psoriasique. Et ensuite, il y a très probablement dans l'année ou dans les années à venir d'autres biothérapies ou thérapies ciblées comme des traitements visant à lutter contre d'autres molécules très complexes du système immunitaire, anti-IL-17 comme les secukinumab ou bien d'autres inhibiteurs comme l'apremilast qui sont des médicaments prometteurs dans le rhumatisme psoriasique probablement. On risque d'avoir mal, on risque de se fatiguer, on risque d'arrêter de travailler, on risque de perdre des années de vie. Chaque chose que je viens de vous dire est sous-tendue par des études. On risque aussi, ça aussi c'est validé par le suivi des cohortes, plus de syndesmophytes, plus d'ankylose des articulations et donc de déformations avec perte de taille. On a des critères pronostiques. On a des critères qui disent si ce risque est important ou pas. Et dans la spondyloarthrite, c'est par exemple le fait qu'il y ait une inflammation biologique. Même faible, parce que dans cette maladie, normalement, il n'y a pas ou peu d'inflammation systémique. Et quand il y a une inflammation biologique, on voit ça sur la prise de sang, c'est même ténu, ce n'est pas un très bon pronostic. S'il y a un mauvais pronostic, c'est d'avoir des atteintes extra-articulaires, comme les atteintes des yeux ou les maladies digestives. Et ce qui est un mauvais pronostic aussi, c'est en réalité certaines arthrites qui on sait qu'elles peuvent évoluer assez rapidement sur un mode destructeur. Donc
La majorité des patients, parce qu'une fois encore, les chiffres des cohortes nous le disent, la majorité des patients vont bien avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, n'ont pas d'inflammation biologique, et voire même, on pense qu'avec une pratique de sport régulière, de la kinésithérapie, rachidienne ou respiratoire, on peut limiter sa consommation médicamenteuse. Quand j'entends limiter sa consommation médicamenteuse, c'est-à-dire en ayant pas mal, avec nos critères d'évaluation des douleurs, base d'ail, base fille, c'est ceux qu'on utilise en routine, il y en a d'autres, mais ils sont assez faciles à utiliser, ces deux-là, et c'est-à-dire avec un niveau de base d'ail ou base fille faible, en dessous de 20 ou 30, pardon, 30 ou 40. Et ce sont les seuils où l'intervention thérapeutique n'est pas indispensable. En ce qui concerne le risque cardiovasculaire, ça a été démontré. Il y a une augmentation... encore en cours d'étude, une augmentation du risque cardiovasculaire dans la spondyloarthrite. Alors la fatigue, c'est quelque chose de très important et quelque chose de difficile. Important, c'est un des paramètres du base d'ail, par exemple. C'est la première question. On demande aux patients de côté, de 0 à 10, l'état de fatigue global. Et c'est un des critères sur 5. Donc ça veut dire que c'est 20% du problème. Oui, bien sûr, ça influence sur le handicap en général, sur comment on peut assumer ses douleurs articulaires, sa vie professionnelle, sa vie familiale. De manière peut-être un peu paradoxale, c'est probablement le critère qui est le plus présent, le plus longtemps, sur lequel on est probablement pas le moins actif, mais le moins armé. Et quand on a une maladie très active au début, qu'on donne un traitement très spécialisé ou pas, on est très content de diminuer les douleurs et c'est très visible. Et ensuite, la fatigue est encore plus visible parce que c'est le symptôme qui va rester le plus longtemps. Avec des handicaps plus complexes à évaluer, c'est sûr, dans le sens où ça complexifie le projet de vie de nos patients, on peut dire. Donc c'est important d'en discuter, d'accompagner, même si on n'a pas toujours de solution. Déjà la pharmacopée est assez moyenne là-dessus. Ensuite il y a des stratégies plutôt sur l'entraînement physique aussi, sur la pratique une fois encore régulière de sport. Il n'y a pas de démarche et de conseils génétiques qui soient validés par des choses scientifiques solides. Donc en fait, il faut que les enfants vivent normalement, qu'ils fassent normalement les choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils grandissent et qu'ils fassent leur croissance normalement, avec en fonction de leur âge et des âges de leur croissance, une activité sportive adaptée à leurs envies aussi. Et il n'y a pas de dépistage systématique. Il faut au contraire plutôt rassurer les parents, beaucoup. Les enfants aussi, parce qu'ils peuvent se poser des questions. Tiens, j'ai mal comme papa, maman, est-ce que moi aussi je suis malade? Donc en première réponse, surtout on rassure nos patients, on rassure les familles. Et peut-être qu'on banalise d'un certain point de vue, mais c'est nécessaire parce que, on l'a déjà dit, d'être B27 dans une famille de B27, bien sûr, c'est un risque plus important de spondyloarthrite que la population générale, ça c'est vrai, mais ça ne rend pas la spondyloarthrite obligatoire non plus. Et je pense qu'il ne faut pas faire des enfants en croissance qui peuvent avoir des douleurs, pas chroniques, mais quelques douleurs de croissance, des malades chroniques potentiels. Ce serait une erreur. On a identifié des causes dans un sous-groupe particulier, mais qui n'est pas le groupe le plus fréquent. On sait que cette maladie est clairement une interface entre les gènes qu'on porte et l'environnement autour et les rencontres, bonnes ou mauvaises, par exemple vis-à-vis des microbes. Ça, c'est assez évident. Vis-à-vis de l'alimentation, il n'y a pas de choses définitives et démontrées. Le cadre des arthrites réactionnelles, c'est qu'on fait une infection parce qu'on est B27, parce qu'on est B27 avec d'autres gènes qui font qu'on a une réponse immunitaire différente, probablement un peu lente. L'infection reste. Et ensuite, on va développer des symptômes de spondyloarthrite parce que le système immunitaire se retourne contre soi-même. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est une infection digestive, pulmonaire ou génitale qui est le point de départ d'une inflammation et ensuite le système s'emballe.
Pour le reste, on a peu de facteurs déclenchants individualisés ou individualisables. Je pourrais dire à l'opposé d'autres rhumatismes inflammatoires où il y a des choses un peu plus évidentes sur le stress, la dépression, les ruptures, le deuil, le décès. Dans la spondylarthrite, ce n'est pas visible dans les cohortes, dans les différentes études qui ont eu.